Donc on démonte des cartouches T611, T602, T0611, 0612, 0613 et de la marque Epson, des cartouches d'imprimante qui ont toutes été changées parce qu'elles étaient, d'après l'imprimante, vides. Donc il y avait sur les couleurs 5 exemplaires et sur les noirs il y en a une dizaine. Donc elle est vide parce qu'elle est vide là. Quand on regarde l'autre partie du réservoir, sur toutes celles qu'on a ouvertes, surprise, c'est que l'autre partie du réservoir est pleine. Donc on a consommé que la moitié de l'encre qui était dans la cartouche. Glorieusement, là, on a toujours ça d'encre. Sur 5 cartouches jaunes, on a récupéré tout ça d'encre. Sachant que sur 5 cartouches jaunes, il y en a pas mal qui est parti dans l'évier. Voilà, donc on est en train de faire maintenant les bleus et on a exactement le même phénomène que dans toutes. La moitié, en fait, toute cette partie du réservoir n'est pas consommée. Ce qui est consommé, c'est cette partie du réservoir, c'est-à-dire à peu près la moitié de l'encre qui est dans la cartouche quand on l'achète. Voilà. Epson, merci et au revoir.